titre de l'histoire. Tom et son ours aventurier. Il était une fois, dans une petite maison au toit rouge, vivait un enfant nommé Tom. Tom avait un ours en peluche préféré. C'était un ours en peluche tout doux et tout mignon, avec de grands yeux brillants. Un jour ensoleillé, Tom décida de jouer dans le jardin avec son ours en peluche. Ils sautèrent sur le trampoline, glissèrent sur le toboggan et rirent aux éclats. Mais soudain, l'ours en peluche glissa de la main de Tom et tomba par terre. Tom le chercha partout, mais son ours en peluche avait disparu. Tom commença à pleurer. Il chercha dans la maison, sous le lit, derrière le canapé, mais son ours en peluche était introuvable. Il demanda à sa maman et à son papa de l'aider, mais même eux ne pouvaient pas trouver l'ours en peluche. Tom était triste, mais il ne voulait pas abandonner. Il décida de partir à l'aventure pour retrouver son ours en peluche. Il se dirigea vers le jardin et chercha parmi les fleurs, sous les buissons et près du bac à sable. Soudain, il entendit un petit bruit provenant d'un buisson. Il s'approcha doucement et découvrit son ours en peluche, tout sale et couvert de feuilles. Tom était tellement heureux qu'il serra son ours en peluche dans ses bras. Il rentra à la maison en courant, montrant fièrement son ours en peluche, retrouvé à ses parents. Ils sourirent tous et félicitèrent Tom pour avoir mené à bien sa propre petite aventure. Depuis ce jour, Tom a appris que même lorsque les choses se perdent, avec un peu de courage et de persévérance, on peut toujours les retrouver. Question 1. Où Tom a-t-il perdu son ours en peluche? Question 2. Comment était l'ours en peluche de Tom? Question 3. Que Tom a-t-il fait lorsqu'il a perdu son ours en peluche? Question 4. Où Tom a-t-il finalement trouvé son ours en peluche?
Question 5. Quelle leçon Tom a-t-il apprise de cette aventure ?